Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie Angelus. Alors, la trilogie Angelus, c'est quoi? Eh bien, ce sont trois albums composés tous les trois en 2004 et sortis tous les trois en 2004. Ils ont donc la particularité d'intégrer pour la première fois des chants grégoriens. Le premier album Angelus intègre des chants grégoriens féminins et les deux autres albums intègrent des chants grégoriens masculins. Donc beaucoup de choses à dire sur cette trilogie. Donc on est toujours dans la troisième période de composition, donc toujours avec les mêmes instruments, donc avec en plus intégration de chants grégoriens. Première spécificité donc de cette trilogie. L'album Angelus, qui est le premier, est un record pour moi, car entre la première note composée et la mise en boîte du disque, il s'est écoulé 19 jours. Oui, vous avez bien entendu, 19 jours pour composer, enregistrer, faire la pochette et tout mettre en boîte. Tout ça en 19 jours. C'est vraiment, j'étais extrêmement inspiré, c'était au mois de mai 2004. Et là, en quelques jours, en gros, en trois week-ends, en gros, cet album-là a été composé. Voilà. Par la suite, les deux autres ont suivi, donc l'album Angelus Révélation et Angelus Rédemption. Révélation a été composée aussi assez rapidement. De toute façon, les trois en gros sont sortis avant le mois de décembre de la même année 2004. On peut donc les trouver chacun séparément, enfin chacun simplement. Angelus Révélation et Rédemption peuvent être trouvés séparément. L'album Angelus, quant à lui, n'est pas trouvable séparément. Pour la bonne et simple raison que ce que j'ai fait par rapport au chant grégorien féminin, je ne suis pas sûr d'être tout à fait dans la légalité, je ne sais pas trop. J'ai pris les chants sur un disque de chant grégorien des pays de l'Est. Donc j'ai fait de l'échantillonnage, du sampling, et donc voilà. Donc je ne sais pas trop si je suis dans les clous ou pas. Donc si vous voulez avoir vraiment la trilogie, il faut commander le coffret. Donc c'est un boîtier DVD dans lequel vous trouvez les trois albums. Autrement, si vous voulez que un seul, l'album Angelus ne peut être que téléchargé en MP3 et les deux autres albums, vous pouvez donc les avoir en CD. Trilogie, ça a beaucoup de sens. Pour moi, c'est trois. C'est la Trinité, parce que donc j'ai utilisé des chants grégoriens et ce n'est pas pour rien aussi. L'album Angelus, c'était un petit peu un test sur ma façon de faire avec des samples de chants. Et j'ai voulu continuer dans cette voie-là avec du coup des samples de chants grégoriens. Là par contre je sais que j'avais l'autorisation car je les ai enregistrés moi-même dans une abbaye où ils chantaient en grégorien. Donc la qualité sonore est peut-être pas super, mais le rendu est franchement, moi je suis très satisfait de ce que j'ai pu faire avec toujours les moyens du bord. Donc l'album Angelus Révélation est consacré plutôt à la Vierge Marie. Et l'album Rédemption, c'est plus pour la rédemption, c'est le dernier album de cette trilogie. Donc beaucoup de références un petit peu à des passages de la Bible. On retrouve aussi l'Angelus Révélation à Salve Regina qui a été réinstrumentalisé, une version assez intéressante. Les titres principaux de cette trilogie, eh bien, c'est tout simplement Angelus 4 pour le premier opus,
Pour le deuxième, c'est Angius Révélation, et pour le troisième, c'est Angius Rédemption, tout simplement. Voilà, donc vraiment une autre trilogie à découvrir. 7 titres pour chaque disque. Là aussi, 7 pour moi, c'est le chiffre de la perfection. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment. Vraiment quelque chose d'important avec l'album Angus, en tout cas j'ai vraiment l'impression d'avoir touché un peu la perfection dans tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, et l'avoir fait en plus en 19 jours, pour moi c'était une prouesse. Donc vraiment très très satisfait de cette trilogie, donc je vous invite vraiment à la découvrir, à la commander si vous êtes intéressé, il n'y a aucun souci. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel album, pas une trilogie, un nouvel album. Allez, salut, à bientôt.